Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité en République démocratique du Congo, des membres du rassemblement de l'opposition ont finalement signé l'accord issu du dialogue national des assises qu'ils avaient pourtant jusque-là boycotté. Le plan de diversification économique initié par le Gabon commence à donner des résultats concrets. Le pays vient en effet d'exporter des produits finis issus de la culture d'huile de palme vers le Cameroun, mais aussi vers l'Europe, plus précisément vers l'Espagne. Et les recettes fiscales mal récoltées représentent un manque à gagner considérable pour les économies du continent. C'est pour y remédier que le Tchad a mis en place un comité interministériel pour gérer et auditer ses finances. Mais tout d'abord au Bénin, la détention de l'homme d'affaires Sébastien Javon fait toujours la une. Rappelons qu'il a été interpellé pour trafic de drogue présumé et est actuellement détenu à la compagnie de gendarmerie de Cotonou. Les gendarmes auraient retrouvé dans un conteneur destiné à une société lui appartenant environ 18 kg de cocaïne pure. Cette affaire qui concerne un ancien candidat à l'élection présidentielle et une personnalité très connue du pays puisque chef du patronat est particulièrement suivi par les Béninois. Lefty Ounou, notre correspondant à Cotonou, nous en dit plus. L'affaire à Javon continue de susciter de vives réactions au sein de la population béninoise. Dans l'attente de la présentation de l'homme d'affaires au procureur de la République et de la décision de la justice, les partisans de Sébastien Javon ont pris d'assaut ce mercredi 2 novembre 2016 les abords du carrefour Trois Banques, non loin de la brigade territoriale de Cotonou, où il est gardé à vue. Même constat du côté du tribunal de Cotonou, une querelle de partisans et de groupements de femmes scande la libération de l'homme d'affaires. Dans l'après-midi, les 7 secrétaires généraux des confédérations syndicales ont voulu rendre visite à l'homme d'affaires, toujours gardé à vue à la brigade territoriale de Cotonou. Mais ils se sont heurtés au refus catégorique de cette doléance. En République démocratique du Congo, une dizaine de membres du rassemblement de l'opposition qui avaient jusque-là boycotté le dialogue national ont signé ce mercredi 2 novembre l'accord issu de ces mêmes assises. Un accord conclu en octobre qui prévoit notamment le report de l'élection présidentielle à avril 2018. C'est un sujet de Zahra Mohamed Moutiou. Il s'agit d'un coup de théâtre au sein du rassemblement de l'opposition. Conduit par Willy Mishiki, membre du Conseil des sages du Rassemblement, 13 membres dissidents du mouvement ont rejoint ce 1er novembre le groupe favorable au dialogue. Ses opposants ont signé l'accord du dialogue national au bureau du facilitateur Edem Kodjo, un accord conclu le 18 octobre sans la participation du Rassemblement, qui avait boycotté les pourparlers qui ont permis de repousser la date de la présidentielle de novembre 2016 à avril 2018. Cette première démarche a déjà été entreprise depuis le premier conseil des sages où nous avions saisi le président Tshisekedi. Mais on a constaté que le président est aujourd'hui pris en otage par certaines forces obscures et notre démarche consiste à l'en libérer. C'est ainsi que nous venons aujourd'hui de signer notre adhésion au sein de cet accord. Outre le report de la présidentielle, cet accord prévoit l'installation d'un comité de suivi qui aura pour mission de surveiller le processus électoral. Autre disposition et non des moindres, la constitution rapide d'un nouveau gouvernement dont le poste de Premier ministre reviendrait à une personnalité de l'opposition ayant pris part au dialogue. Ils sont venus signer la voie des postes ministériels, ce n'est pas la primature. Ils ne sont pas venus pour le bonheur du pays ou pour sauver le pays du chaos signé, non. Ils sont venus en opportunité pour signer parce qu'ils savent que non, comme on dit que non, les postes premiers doivent revenir à l'opposition. Et l'opposition envoie les rassemblements, donc ils sont facteurs, c'est eux qui doivent être pilotés le gouvernement. Donc ils sont venus à l'opportunité, mais ça, je ne pense pas que les autres vont accepter, ils vont accepter cela. Déjà, il y a des remous qui disent que non, c'est vrai, vous venez signer l'accord, mais les postes de premier ministre ne doivent pas revenir à ceux qui sont venus après. Ce revirement au sein du rassemblement montre la montée des dissensions au sein de cette plateforme des partis d'opposition menée par Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, chef de l'Union pour la démocratie sociale, continue quant à lui d'augmenter la pression pour que la Constitution soit respectée et que le président Joseph Kabila quitte le pouvoir le 20 décembre.
En Afrique du Sud, malgré les rumeurs, le bureau du procureur dément tout abandon des poursuites contre le ministre des Finances Pravin Gordhan. Il est poursuivi pour fraude. Rappelons-le, ses défenseurs, des chefs d'entreprise, des membres du gouvernement et des figures historiques de l'ANC, le parti au pouvoir, ont pris sa défense et évoquent d'ailleurs une affaire politique plus que judiciaire. Le Gabon, qui ambitionne de devenir le premier pays producteur d'huile de palme en Afrique, vient d'exporter ses premiers produits finis vers le Cameroun et même vers l'Espagne. Une performance qui s'inscrit dans le cadre du plan de diversification économique initié par les autorités et qui vise à ne plus dépendre des hydrocarbures dont le prix fluctuant fragilise l'économie. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Plus de 300 tonnes d'huile de palme et 180 tonnes d'huile d'amande made in Gabon ont été exportées vers l'étranger le 27 octobre 2016. Cette première exportation rentre dans le cadre de la politique de diversification de l'économie gabonaise prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le Gabon a l'ambition de faire contribuer le secteur agricole à 15% au produit intérieur brut d'ici à 2020 contre 1% actuellement. Nous avons l'huile de palme rouge qu'on vient d'exporter pour 300 tonnes vers le Cameroun. Et nous avons ici l'huile d'amande que nous venons d'exporter vers l'Espagne pour 180 tonnes. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que comme nous sommes en fin d'année 2016, la capacité de production de cette usine de transformation de palmiers à huile, en ce qui concerne le palmier à huile, c'est 22 000 tonnes par an. Et en ce qui concerne donc l'huile d'amande, c'est 1800 tonnes par an. L'exportation des produits finis made in Gabon issus de l'agriculture n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Les produits exportés sortent des plantations de la localité de Mbuku Amula qui renferme la plus grande pépinière de palmiers à huile d'Afrique, soit 5,4 millions de graines en sac. À terme, elle permettra de produire 45 tonnes d'huile de palme par heure dans une première phase et 90 tonnes par heure en plein régime. Lorsqu'un pays commence à exporter des produits finis, cela génère de la richesse. Parce que cela améliore la balance commerciale et cette amélioration de balance commerciale entraîne l'entrée des devises dans notre pays. Le nouveau pétrole du Gabon, c'est bel et bien l'agriculture. L'agriculture à travers plusieurs produits dérivés. Aujourd'hui, c'est le palmier à huile. Nous pensons que nous devions faire autant aussi avec une autre culture. La première exportation des produits transformés issus de la terre marque un tournant nouveau dans la diversification de l'économie gabonaise. L'huile de palme, extraite par pression à chaud de la pulpe des fruits du palmier à huile, est l'huile végétale la plus consommée au monde. Ingrédient traditionnel des cuisines d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie, elle est désormais surtout utilisée pour l'industrie. 80% dans l'agroalimentaire, 19% pour les cosmétiques et 1% pour les agrocarburants. À l'instar de bon nombre de pays africains, le Tchad peine lui aussi à maîtriser le recouvrement de ses recettes classiques, notamment les taxes, les impôts ou encore les ressources douanières. Pour pallier à cette situation, le gouvernement met en place un comité interministériel pour gérer et auditer ses finances. L'initiative est diversement appréciée. C'est en tout cas ce que nous explique notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Son reportage a été commenté par Ibrahima Dumaba. Regardez. Au Tchad, le gouvernement a créé un comité interministériel pour le recouvrement des créances de l'État. Il a pour but de recouvrir les impôts, les taxes de l'État et d'auditer les comptes publics pour la maîtrise effective des recettes. Ce comité est l'une des mesures de redressement économique prises par les autorités il y a 2 mois. La majorité présidentielle soutient l'initiative et encourage les ministres concernés à mettre en œuvre les réformes envisageables. Je pense que c'est une très bonne initiative qui vient à point nommé au moment où nous avons des problèmes au niveau de notre finance. Et je crois que pendant longtemps, ils n'ont pas suivi de près les problèmes de recouvrement. Aujourd'hui, il y a un comité qui est mis en place, qui essaie de voir les sociétés qui n'ont pas à payer leurs taxes et les impôts au niveau de toutes les recettes, même douanières, etc., qui n'ont pas été payées régulièrement. Il y a des valeurs aussi qui ont été minorées. Donc je crois que cette commission-là, et bien pour nous-mêmes pour essayer de faire en sorte que le trésor puisse avoir un peu de ressources. Certains acteurs de la société civile et de la classe politique du pays sont sceptiques. Ils estiment que le comité interministériel mis sur pied par le gouvernement intervient tardivement alors que la situation économique du pays est au rouge. Pour le recouvrement de la créance de l'État, on n'a pas besoin de mettre un comité interministériel.
les services chargés du recouvrement sont là. Et ça devait être une machine fluide qui peut faire entrer l'argent de l'État. Beaucoup de comités interministériels ont été mis sur pied pour des pareils cas. Mais le résultat n'est pas satisfaisant. Selon les autorités, l'État tchadien perd environ 150 milliards de francs CFA par an à cause notamment de la non-maîtrise des finances publiques. Rappelons que ce comité est l'une des 16 mesures d'austérité prises par le gouvernement du Tchad pour faire face à la chute du prix du baril de pétrole et la crise financière que traverse le pays. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.